Voilà, on est arrivé au parking du lac Dalos. Il y a 40 minutes pour y aller. Voilà, on se prépare. Il y a un parking. On est à 2100 mètres en voiture. Parking à 2100 mètres. Et il y a de la neige. Ok, 45 minutes de marche. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, hein. Il y a 300, 200 mètres de dénivelé ou 250 mètres. On commence à monter un petit peu. Charger, bon, chargé. Je dois avoir 10 kilos, je pense. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Bonjour. Donc, voilà. On monte. Bon bah pas grand chose à dire, on monte jusqu'au lac Dalos, 2400 mètres, il va faire 13 degrés mais on se réchauffe en marchant, les petits ruisseaux là. Il y a des orties. Ouais. Voilà une sorte de... Voilà. Ouais. C'est par où? Pas toi. Par là. Go.
Monter. Hein, monter, ça va, hein, mais j'avais chaud avec les casquettes, là. Un bon, un bel endroit pour bivouaquer, c'est une petite... D'être vu. Un peu plus de gris ici. Peut-être qu'on va voir le lac d'en haut. Ouais. Et le lac. On va se payer la pluie, hein, c'est ça. Hein. T'as vu, hein, c'est des nimbus. Hein. Et il y a des endroits. Bien. Hein. Bon, bah, comme prévu. Hein. Nuages gris avec un. 50% de chance de pluie. Hein. Il commence à griller d'ailleurs. On a vu quelques marmottes là et puis une hermine. Mais... avec une petite île au milieu là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Le loup est apparu. Ah, le loup, oui, dans le Mercantour. En 1992. Bah, on sent la petite fraîcheur quand même. Oui. Un petit chalet, un abri en bas au cas où hein, s'il pleut. L'accent marseillais, je sais pas. Donc un abri là et un autre en haut là. Non, c'est des gîtes ça. Ici. Il y a une sorte de petite chapelle là-dessus. Là. Encore le même point de vue, plus bas. Michel ! Michel ! Ah, il est rentré dans la cabane. Oui, oui, j'arrive. Voilà, on mange, pause déjeuner. Donc on a ramené
bouteille de vin. On va pas se laisser mourir. Donc voilà, on va pas se laisser. Alors c'est un coteau de Verdon. Un coteau de Verdon. La Bastide Roseau, barbe. Hop. Bien sûr. Voilà. J'ai mal. Oula. Oh ben d'accord, le bouchon s'est cassé. Ah non. C'est du froid. Ah, faire gaffe. Voilà. Ouais. Il y a un morceau là ou pas? Non. Regarde. Oui. Le bouchon est cassé. Ouais. Voilà. Alors bon, il a cassé le bouchon, on a fait gaffe un peu là. Vous voulez goûter un peu? Donc c'était quoi tu as dit partout, là. Du. Ah, il est costaud là. C'est du quoi déjà tu avais dit du. Coteau de but du Verdon. Coteau du Verdon, hein. Je ne connais pas, s'il reste un morceau dedans, vous buvez comme si vous filtrez. Voilà. Là, on va trinquer. Attends. Voilà. Voilà. On va trinquer. Allez. Et à Lac d'Alos, voilà. Et aux vacances. On s'apprête pour repartir, on va faire un peu le tour du lac. Voilà. On va faire le tour du lac. On va rester dans le coin, on va voir. Jusqu'à après on repartira sur le lac du Verdon. Non. On est loin de bivouaquer, mais de 19h à 9h. Le droit de bivouaquer, mais de 19h à 9h. Ah bon? Oui, j'ai filmé. Tous les cailloux, là. Oui, attends. Voilà, sans qu'on ait. Alors nous, on a mangé par là, avec près des cabanes là-bas. Voilà. Et petits cailloux, un peu partout sur le chemin. Et nous revoilà reparti. Voilà. Catherine, Alain, Michel, Catherine. Alors, on va la descendre. Elle a deux petits ruisseaux. Ouais, attends. Coucou Catherine. Coucou. Et non. Coucou Alain. Ça fait du beau temps. Oui. Et Michel. Le mois de juin.
Attendez. Et voilà, il y a de la neige ici. Elle est en train de fondre. Ouais, c'est ça. Là, si tu fais, hop. Voilà. Donc, on a la vue cette fois de l'autre côté du lac. Il y a moins de soleil. Et ça fait des reflets bizarres sur le lac. Mais bon, c'est joli quand même avec les nuages. Joli. Ah mince. Un petit pont. Le chat est là-bas au fond. Voilà. Je vais traverser le petit pont. Ouais, je sais. Là, là, les nuages là, et il fait très chaud maintenant. On s'est assis là un peu tranquillement, à l'aise, à côté d'une petite rivière.
sympathique. Voilà. Ouais. On est arrivé en haut. On a fait un hors-piste. Un hors-piste. Wow, on a monté pas grand-chose. Hein. Je sais pas si ça se voit. Non, la pente, ça se voit jamais trop. Vas-y, je vais prendre un. On a fait une pause par là. Ici. Ouais, par là. Là où il y a les roches. Ouais. On a monté. Le lac. Il commence à pleuvoir à la con. Noir surtout là. Ouais, j'ai vu. La descente. J'ai peur qu'elle sente pas. Petite descente, hein, quand même. Et puis une petite source. Une marmotte juste derrière. Elle marche. On a entendu de l'orage à un moment donné. Je sais pas ce que tu dis là. Alors là, on est arrivé. De l'orage. Au fond, on ne voit pas les éclairs, mais on entend les bruits d'orage. Gaffe, hein, de toute façon, il y a un abri. Hein.
Voilà, on est arrivé au parking, 40 minutes pour descendre. Assez rapidement, on a fait. Et puis, voilà, on est en train de ranger. Bon, on va essayer de partir avant que ça pleuve. On est parti vers 11h et quelques ce matin et on revient. Là, il est 15h27. C'est la route qu'on a pris pour monter. Au lac de Danos. Oh, j'ai une voiture qui me sert. Ça, c'est l'inconvénient. Ah. Non, là. Vas-y, laisse. Vas-y. Non, va pas vas-y, plus vas-y. Loin. Hein. Riche.